Salut à toutes et à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié cette longue introduction. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais rapidement vous présenter la DBS Superleggera d'AutoArt. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une reproduction fidèle de la DBS Superleggera, fleuron de la gamme sportive d'Aston Martin. À l'achat, j'ai choisi cette configuration mêlant noir et rouge. C'était pour moi la plus élégante parmi toutes celles proposées par AutoArt. On retrouve en effet 8 configurations différentes pour cette miniature. Une vert anglais intérieur marron et jaune, une argentée intérieur bleu et rouge, une vert fluo avec des détails bleus et l'intérieur noir, une bleu clair, intérieur marron clair, une rouge, une identique à celle présente dans le dernier James Bond Mourir peut attendre, une bleue avec des détails crème et enfin celle que je vous présente ici. La critique sera très facile et tiendra en un seul mot. Perfection. C'est comme si AutoArt était détenteur d'un pistolet réducteur à la manière du dessin animé Moi moche et méchant. Il me suppliera à genoux. En effet, cette miniature reprend tout de la vraie avec un réalisme à couper le souffle. Le salice en noir de jet dissimule de nombreux détails en carbone au motif presque plus vrai que du vrai, avec ainsi les rétroviseurs, la lame avant, le diffuseur arrière, le becquet, les diverses entrées d'air et le toit, tous entièrement dans ce matériau. Les grandes jantes biton cachent des étriers rouges qui pincent des disques en carbone céramique, tandis que les autres touches de chrome se limitent aux différents badges et inscriptions, tous bluffants par leur précision. Toutes les aérations et entrées d'air sont fonctionnelles. La calandre est percée, les écopes latérales merveilleusement réalisées, tout comme les ouïes sur le capot qui laissent apercevoir le somptueux V12, que vous pourrez admirer en soulevant l'immense capot à l'ouverture inversée et à la cinématique de fermeture ici plus réaliste que jamais. AutoArt est même allé jusqu'à reproduire très fidèlement les conduits d'air de l'aileron dans le coffre directement. Les feux avant et arrière sont très nets et pourraient presque être fonctionnels, tandis que le diffuseur arrière, lui, est juste merveilleux. Quand vous ouvrez l'une des portes semi-horizontales d'Aston Martin, vous apercevez l'intérieur dont le rouge contraste totalement avec l'extérieur. Tout ce que l'on peut apercevoir sans contorsion semble parfait. Des moquettes, en passant par les différents boutons, les sièges et les plastiques, qui sont de si haute qualité qu'ils ressemblent à s'y méprendre au cuir original. En bref, cette miniature est parfaite. Cependant, j'ai été surpris par le poids ridicule de celle-ci, réalisée en composite. Mais AutoArt a été aussi très léger sur le contenu de la boîte, puisque ce qui était autrefois livré sur la miniature en métal, à savoir des guides, des photos et une carte d'authenticité, ont totalement disparu sur les nouveaux modèles. Après tout, on leur en veut pas, parce que ce qu'on leur demande, c'est de faire la plus belle des miniatures possibles. Mais c'était toujours un petit plus qui faisait plutôt plaisir quand on ouvrait la boîte. Et voilà, c'est déjà fini pour moi, merci à tous d'être restés jusque là, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ils sont tous en description de toute façon, allez ciao!